Bon bagay Haïti Media on yo, journaliste Bob se semble fait zak son cousine Niki rele Lia. Bob se bat demoiselle la bien bat, m'bral ba nou détail parce que moi-même pas m'entrer dans un monde, tant moi m'bral bon bagay la bien raffiné. Mais entre-temps, qui te m'souhaite yon bon récord de café ensemble avec journaliste Johnny Ferdinand, journée jodi a la kap fete qui genye yon lot, on ban non lot chiffre. Qui monte sous ville et tout ça, monsieur, c'était tout ça qu'il a fait. On prend que bon Dieu guide, que bon Dieu accompagne, parce que j'ai des jeunes ça yo. Nous besoin yo dans société. A pas oublier numéro de téléphone pour entrer en contact direct avec Tinegan Choubret. Là, c'est +1 809 786 81 20. Écris pour écrire. Tendez non. Journaliste Bob C, nous connaît. L'aime dit Robert Céline dit Bob C. Son nègre nous connaît passer des présentations après plus de 25 ans dans micro, il choisit fait bac, on prend retourner dans pays, c'est ça il t'a dit pour la planter, pour la continuer faire business. Mais qui s'est passé? Bob s'est fait face ensemble avec un problème sentimental ou bien capable de dire un problème familial. Bon mettez le consabito et côté il t'a pral séparé ensemble avec madame qui c'est Rachel qui t'a fait des petits moun pour Bob C. Malheureusement après ti moun sa yo fin fête, pou bon yo pat gen tan pou yo ta jwenn yon akòd pou yo ini yo et pou yo wè ti moun yo kap grandi devan je yo. Yo te oblige séparé pou yon raison bien pou yon lot. Bon ça c'est bay vie privé moun yo, m'pa trop chercher détail pou m konnen ki raison ki te fè yo pa ansanm. Mais ça qui important, depuis après ra en kapab di Rachel en tant que ancien madame Bob C fin kite kay la, et bien genyen yon cousine Bob C qui te gen compassion parce que li wè Bob C garçon lié, li pa gen temps ki donc faut Bob C manger, faut rad laver, faut gen travail qui fait nan kay. Est-ce que comprendre? Mais demoiselle pa jam penser si t'ap gon l'autre travail encore qui pa nan tête li qui pral obligé rentrer en ligne de compte. Qui semble dit par là? Et bien mes chers amis, c'est non détail que m'gagne, cousine Bob C ça qui pote non Léa, selon John Colin Morvan. Pas oublié, est-ce que comprendre? Et bien Léa il y a son bel tingengen, gen cousine Bob C. Et puis pendant la fête civile, on a kaila. Et puis Bob C gen lè, comme li bagen madame, nous konnen. On le baga la moute ti mal, de bou bagen trop, de bou ka maîtrise, c'est tout normal pour créer des gars. Est-ce que vous comprenez? Et bien Bob C gen lè, nan double one fucking de get demoiselle là à mettre reprise. Et bien au final, comme vous avez dit, de bou a boule bois. Faut couvrir charbon demoiselle ça qui c'est Léa qui c'est cousine Bob C qui gagne 2 ans depuis la by Bob C service la Kylie elle se reprend depuis après départ Rachel ancien madame Bob C. Et ben au final Bob C grosse m'a dit enceinte grosse demoiselle là et faut me dire nous là Bob C nous connaît on prend comment leur cité non ça dans la République les faire en pile l'écho. Et ben Bob C ouais son déblouse avec qu'il fait il a fait gros pression sur Léa pour t'amander Léa jete ti moun lan, Léa dit non Bob, m'pa jete l, ça c'est petit nou ke lié, m'a quitté là parce m'pa konnen si bon Dieu a ban mon lot, c'est vrai nan condition m'pran la m'pa supposé prendre, c'est petit et cousin cousine, mais quitte pitam là. C'est ça demoiselle la bay comme réponse et c'est ça tout qui t'a ral nerve Bob C. Bob C kembe Léa totot li bien totot, li bat Léa, est-ce que comprendre en façon pour wè si ti moun nan te ka tombé pendant la bat Léa. Malheureusement, Léa actuellement couché sous cabane l'hôpital la prend soin qui cal nécessité. Mais demoiselle là suite ensemble avec influence Bob C gagné, aucune famille a pas voulu prendre radio ni aller non pas un capable dire non poste police qui puis près ya au moins pour t'avoir al porter en plainte pour Robert Céline dit Bob C. En tout cas je n'entendais assez comme ça bagay yo a passé. C'est comme ça bagay yo ye, selon John Colin Morvan qui joue un détail ça yo, il dit nèg tu peut la kembe ça mon cher Bob c'est fait des blousay qui donc même vinn la m'obliger informer nous pour me dire nous qui ça qui bagay la même pas arrêter m'pas mettre ça qui passé am just baoul effectivement et comme ça m'ke mieux et gon le bagay qui important tout m'pas connait si Bob c'est rentré dans logique cousine c'est femme bon Dieu sans causer en pile vagabond même je l'aime t'appeler vegan pile vagabond qui dit ah mon zé cousine nous l'enfant comme ça et pas solié et vous regardez l'ange d'ab dormir même côté bagay cousine c'est femme bon Dieu bon sans causer oui ça c'est pour vagabond moi me balade dans le dit tout depuis dès que t'en connais maman c'est ma tante moi papa c'est tonton m'ba aucun j'aime gagner pour vous.
d'ailleurs ou c'est famille comprenez bien mais gon bagay tout là au moins ou peut habiter si ou gen du mal pour expliquer comment faire cousine moi ou pour dire c'est dans grand moi et puis grand bon sortant de là wachement mon capacité est-ce que comprendre ça me clair avec nous et comme ça même moi bagan pour me c'est si et cousine moi faut qu'a soit maman c'est ma tante moi papa c'est tonton est-ce que comprendre ou bien nous capable dire ou c'est petite cousine moi est-ce que comprendre là gon lien de parenté mais soit qu'a expliquer soit peut de faire logique ou après et comme si l'op tracer courbe dans analyse comprendre là m'a flou comprendre bien en tout cas bagaille compliqué bagaille vraiment drôle mes chers amis en tout cas j'entendais assez comme ça me souhaiter que Bob C so prend mi se mette de l'eau dans divin ou gen tan fait zakou c'est asimo de so faire a et puis pour ça j'aime répéter encore c'est ça moi même qui m'étais capable dire est-ce que comprendre en tout cas bagaille compliqué tendez non gen Sorel Jacinthe mi c'est pas son mauvais moment nan Jérémy et faut me dire nous là bagaille a commencé senti cri les commencé senti dit et en pile fois population besoin un monde de confiance au moins pour être capable faire taboula rasa pour être capable chavirer chaudière chavirer m'a dit chavirer Ariel mais chavirer système là parce que Ariel ka allé on l'autre vini a toujours gen même problème ça ou ka persister c'est pas Ariel vrai non problème là Ariel li te ka permettre mettre quelques données en place pour nous joindre en formule pour nous résoudre problème là mais malheureusement le c'est tout le système là il pas le droit pour le faire ça qui donc faut qu'il y aller est-ce que comprendre mais si nous pensons c'est Ariel qui problème demain vient avec un l'autre là-bas même problème là toujours est-ce que comprendre nous t'a plein pour Jovenel tout nèg qui t'a plein pour Jovenel yo au final Jovenel mourir qui ça passé pays a vinn bon non yo tout yo vinn ouais que c'est pas Jovenel qui t'est problème là depuis c'est ça qui t'est dans quand on capable dire qui t'est dans après les chalbar et des Jovenel jeune jodi a tout dans gouvernement Ariel Henry est-ce que vous comprenez et ben qui ça passé dans Jérémy là Sorel Jacinthe qui identifié tête en tant que bon allié Ariel Henry et tout ça tout qui reproché qui gagne en pile matériel l'état qu'elle volait même pas elle dit qui l'a utilisé le pareil mais ça est volé lié yo bon bagaille est-ce que vous comprenez pour te faire service pendant chef ou pas chef encore depuis nan l'air ou qu'on nous pas chef là ou supposé remettre d'avance de bouquin be ou gon l'autre idée derrière tout c'est vol qui lié est-ce que vous comprenez mes chers amis j'aime nous tendre ya Sorel Jacinthe mais c'est pas son mauvais moment population qui à attaquer monsieur l'aime dit nous ça va galater compliqué yo rentre dans espace côté monsieur gain quelque engin luxe parce que population dit va derrière ça crever au de droit ça pour yo et selon moun non Jérémy, je vais me connaître gain environ 500 000 moun qui te prend la. Bon c'est ça que yo dit me pas présent. Est-ce que comprendre c'est moun qui te à terre là pour ne courir Anderson Duver qui c'est moun Jérémy même. On moun grand danse puis c'est dimanche pour ça qu'il ouais et yo fait connait moun yo là, yo lancé on capable dit on campagne, fermer des ces boîtes l'état gain en façon pour déboulonner Jovenel. Alors Ariel dans tête pays, manque dit Jojo pour diable Jojo. Est-ce que comprendre mais faut me dire nous, c'est pas seulement Ariel pour déboulonner. On regarde si nous ka corré révolution que Guy Philippe a pourni même pas besoin qu'on ait Guy Philippe c'est ça le diable bon révolution après ça n'importe ça on mon a fait comme débat sur Guy Philippe après révolution s'il le faut n'a bal sentence ça le mérité ça pas supposé faire on prend mais quand t'as pour révolution tout monde net débourser haïtien conséquent pas besoin qu'on ait pas débat sur ça pays a besoin sorti colle dans salia et pour sorti colle dans salia pas l'autre son révolution d'emblée pour faire ça clair est-ce que on prend en tout cas mon nan Jérémy là yo dit pas craser yo pas bouler boîte l'état Jean ça te konn fait Léon de Michel te konn a passé l'autre pour nous réduire pays ensemble est-ce que comprendre et bien peuple a commencé gagner l'esprit qu'on a depuis après l'embo Jovenel yo dit pas bouler ba l'état parce que ba l'état yo là pour servir yo moi m'a rappeler nous là te gagne nèg ouais nèg ça yo m'pa jamb pas donner yo ti monsieur fantôme 509 nèg ça yo yo joine et boulos kap ba yo sponsor ba yo moto boxer pour yo rouler nèg yo font des blousailles nan Oni ki nan Delma 31 koto fè 4 électoral koto fè passeport mgon bel sem mené fon passeport l'autre bo la nan même moment nèg yo pral casser pral piller est-ce que on prend Oni nèg yo boulé depuis ces 4 déjà nan dan et ben jusqu'à présent bel sem la li obligé été 104 n'importe là le fait yo di non ou te gen dossier là déjà est-ce que on prend 4 pa jam sorti
Ou imagino, là, m'da pas donné volé ça yo. Et en pile là, de là, ou et qui mette en katimini pi. Vous même, m'dine ça, jougé paye tout bon vrai. Depuis c'est nek qui t'en fantôme 500 lèvres. Depuis c'est volé, maquillé, tout ma sap tombe. Moi m'dine ça clé. En tout cas, par yon, par même, qu'on s'amie, moi, moi, j'ai fâché là, mais ma teke lizia, ma fonjan, vous comprenez, j'ai recosé, et puis s'entende ya, et bah yo compliqué. Et puis gagne Johnny Ferdinand, qui a fêté, mais monsieur joue une invitation. Pour aller, mes chers amis, dans le bureau, juge et Martial. Si vous comprenez, juge Martial Jean-Claude, pour aller répondre à une question, en tant que témoin, il va aller. Et bien, tant qu'on est, on présume, non, non, pas comme ça. Johnny Ferdinand, c'est qui fait effort, je ne dis pas là, pour marcher avec la tête haute. Et si vous comprenez, puisque nous connaissons Johnny, il était un sujet qu'il était abordé sous antenne Caraïbe, sous cause, on capable dire, bouse de titre, la Rissio. C'était tellement bien détaillé parce qu'il y a des détails qui sont donnés dans le mail. Même ULCC est après intéressé des dossiers ça. Et tout ça, ULCC met d'ailleurs comme rapport dans le cas de blousage qui fait dans le bout de titre pour la Russie. Et bien, c'est presque ça, Johnny, te répété dans le micro-Caraïbe. Il a mis sous papier. Est-ce que vous comprenez? Ça a dit son type. Moi, je dis ça clair. Il y a des gens toujours dans le pays. Il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui ont fait presse dans le pays. Tout le monde est vrai. Il y a des gens pour nous suivre. Je dis ça déjà. Et bien, monsieur, j'ai une invitation là, le 12 janvier. Je la supposé rendre dans bureau juste Martial Jean-Claude pour lui dire qui ça le connaît, qui ça le pensait des dossiers ça et gagne l'autre nek tout quoi dans ministère affaires étrangères qui j'ai causé qu'il tirel en dedans responsable là, li gagne invitation tout pour venir dire qui ça bagarre là et m'pa bon mentor. Si juge Martial campé même avec Aldiniel dimanche, gagne moun qui capable prendre code, gagne moun qui gagne mandat pour arrêter au dans pays là. Et m'a dit Claude Joseph faut le prix dans pile. Mes amis me fait rêve pour lui faut le prix dans dans dossier ça me fait rêve. En tout cas, pas oublier non pas me c'est une grande chouprette voix information hein. Le temps pour me saluer Faustin Charles. Faustin Charles qui sont diaspora, monsieur qui a vivre à l'étranger, monsieur rentre en contact direct ensemble avec moi. Mon cher monsieur et bon un audio qui presque 6 minutes même prend temps pour me tendre et tout raisonnement, tout ça monsieur fait comme analyse dans audio là. Mon cher me retrouver, me voyez big up là pour Faustin Charles, me saluer quel qui soit côté tendre. Continuez plus moun tande plateforme là yon façon pour cadre familial là capi bien élargi parce que ici on pas fait boss m'dou di ça m'gon fan base vraiment pile m'pa pral souhaiter pour m'a quitter courant menen et puis m'a pété ba nous mentor non balade ça moi m'kam toujours en retard parfois non information c'est parce que m'pa vle sensation m'pa vle créer boss là fin créer boss a depuis li men faut le fini. Mais depuis bon détail, 5 ans, 10 ans, ou ka repasse sous li pou di, ah, mon cher Tinek, quand tu prête voir information, elle te parle en cause, et ça, elle te dit à son vérité. Pas oublier non, ou voulez entrer en contact direct ensemble avec moi, m'din ça déjà, ni mon téléphone non, li pas 2, li pas 3, c'est plus 1, 809, 786, 81, 20. Parlez-moi, écris pour nous écrire. Eh bien, la société, j'aime dire, non seul, après-midi, nous prenons le cause, tout coûte, avec professeur, docteur, Gerbi Blaise, bon gade si moi vous sur Blaise, oui, mais elle sous écran avec nous. Avec Lynn Bralfon, ti brasse l'idée. Question posée, hein? Vous marquez nos 10 souffleurs, non? Qui ça la loi dit sous yon moun qui condamné dans yon pays étranger? En pile parler sous dossier ça, à soya invité, non, c'est professeur docteur Gerbi Blaise. Pour qui ça nous Bralfon, ti parler avec lui? C'est parce que, étant que moun, il y a des choses qu'il faut nous apprendre, faut nous connaître. Malheureusement, je dis à nous prendre en spirale. Côté la jeunesse, presque pas voulu apprendre. Ou pas, qu'on y a la jeunesse qui est dans des blousailles qui est tombée. Regardez ce qui a passé là dans un ch. Et m'a tout dit mon, la police dans un ch. Qu'on y a moi, la police décidé pour arrêter ti mesdames, yo faut au prendre la rue. Bon, c'est victime yo et déjà. Son paquet ti moun ki pa éclairé et puis gèlè parce que moi kèk nèg ki gen tatou bagay ou bien kèk nèg ki ba gèlè kèk diaspora tout profiter son zè de ti moun ki fèk pantan sou technologie et puis technologie a trahi yo moun yam tande nan arrêté ou pou fè ki ça ki infraction ou komèt et il y a un bagay grave qui rive parce que nan de gen policier ka l'arrêté ou gen tal nan téléphone yo ki a partagé encore bagay privé ou sou téléphone yo pa ka fè ça. Ou pas qu'à violer droit moun nan plusieurs fois. C'est victime yo yé déjà. Ou comprenne ça m'dou? Ça, donc, si, ou en temps normal, si n'a pas arrêté, pas arrêté, si moun m'a. Mais,
canal ti moun fait m'a regarder là semblé pas ti moun piti piti ouais non bah yo mélangé on quitte ça mais son pays difficile donc la jeunesse jodi hein yo pa vle apprendre yo pa vle li yo pa prendre temps pour tant de moun yo plus souffert hein jouré di bêtises par l'empile mais yo pa vle apprendre et bien après midi il était nécessaire pour nous faire un petit parler ça fait longtemps nous pas de professeur Blaise et nous en 2024 n'a déjà souhaité heureuse année santé bon succès professeur Gabi Blaise bonsoir et bienvenue comment nous est bonsoir Tété et merci pour VA pour VO santé à surtout comme vous êtes là et moi salue toutes les fanatiques pour vous mais d'abord permettez-moi une salutation spéciale et vous vœux de santé, longévité surtout, à tout le monde qui a des bouquets, tout interne autour de tout, tout le monde qui a tout le monde qui a des bouquets, mais particulièrement maman, Baron Poukissa, qui est une fanatique. Oh, t'es ton seul tété, à baguer l'autre, mon cher. Mon seul tété, allez. Donc, moi, salut maman, Maria Lou Blanfort, qui continue que les grammes, tout le monde connaît dans 115, moi, salut tout. 115 ans, parce que c'est l'âme sortie, c'est originellement, je ne peux pas oublier, là. Bah, j'ai oublié ça. Donc, on salue tout monsieur, Babi, Tete, William et l'équipe. Maintenant, merci pour l'invitation à Tete. Mais seul petit problème que j'ai gagné, c'est parce que j'ai annoncé un petit temps tout court parce que j'ai été fait un vœu. Et dans un pour ne pas parler du tout sur aucun sujet d'actualité. Et là, Tete invité, j'ai dit que c'est pour pas parler parce que. Difficile. Très difficile parce qu'au fin annoncé hier, pas bien victime. Et puis, téléphone crasé net à des gens qui disent donc m'obliger et ou pas qu'à répondre de façon négative à Tété. Maintenant, moi, merci pour l'invitation encore. Et le sujet nous va permettre moi, juste 3 minutes pour une introduction. Et c'est pas sous, même pas 3 minutes, 2 minutes. Moi, pas intervenu sur ma pépite et toute réflexion politique. On peut éviter toute subjectivité qui est basée sur l'expérience doctrinale, parce que l'expérience doctrinale n'est pas sur les victoires en droit, parce que l'été est invité, moi-même, tout le temps que je me connais, je ne vais pas pour le gros, je vais demander de me faire droit en cachette tout le monde, parce que il y a des notions à développer. Et moi-même, Merci. Maintenant, on a prêté son analyse de textes normatifs, constitution, convention, loi, règlement. Qui régit société. Nous avons un choix d'été qui est très difficile. J'en fais choix à tout. Ce n'est pas facile pour me parler, pour me parler bouche bée sur ces deux faits d'actualité, tout en tant que pays, en tant qu'haïtien. Mais il n'y a pas une bataille contre un secteur. Parce que c'est très important de nous dire ça. Il y a contre un grand monde. Nous critiquons tout secteur net, tout le monde, opposition, pouvoir. Dès que ce Jovenel Moïse est entré dans le combat en 2019, vous critiquez tout le monde, parce que si je ne fais pas le jour de l'an, c'est jour après l'an, moi, je paye ça tôt ou tard demain. Parce que je fais un vœu pour me faire vivre à Haïti, malgré toutes les autres opportunités que je gagne au niveau mondial pour me vivre. Doit être une discipline pour vivre dans tout pays dans le monde. Et toute institution a toujours besoin d'un conseil. C'est un conseil juridique. Donc, je ne vais pas quitter aucun monde intimidé, ni en menacer, ni en dire besoin de dossier. De toute façon, par contre, pour l'autre nom pour demain, mais je veux dire, moi, c'est. Moi, c'est parce que Bagagnon, on est à reprocher pour un pays. Tu es petit bagage à reprocher, tu dis, tu es une jeune gens, etc. Bon, pourtant, tu es une jeune gens. Moi, la tête, c'est rêver, nous, pas jeune gens. Donc, et menace pas empêcher pour me défendre d'eux, même le bas, pour que tout soit point de vue. Ouais. C'était, invitation là, c'est concernant qui est fait condamnation pénale gagnée ou condamnation pénale à l'étranger. Avant d'entrer là, professeur Gabi Blaise, parce que monsieur que ma, en dépit de tout ça, Nabdi, il y a un pile jeune qui est dans la faculté de droit, qui a suivi, il y a un pile l'autre professeur, il y a un avocat, un pile juriste, un pile monde homme de droit, qui a fait débat sur ça, qui a suivi. On t'a remis comme si on t'écoute introduction. Là, on a parlé de droit pénal. De qui ça n'a parlé exactement? On parle de droit pénal. Droit pénal, c'est lui-même qui l'a pour le régime organisation sociétaire. C'est que l'organisation sociétaire, pas bien que sociétaire, les gagnants, les poser des interdits, les poser des conditions pour que les malades ne peuvent pas faire.
Donc, tout comportement antisocial, yo, qui est-ce qui l'a promis le règlement qui régit, c'est le droit pénal. Parce que le droit pénal a les gains de bagaille. Il dit moins posé interdit, hein, qui s'amène les incriminations, hein, qui c'est non constitue droit pénal général. Là. Et il dit causé tout, ça nous est un bagaille qui est les sanctions, ça nous est peine. Maintenant, l'autre droit pénal, ou pas qu'à gagner. Ils ont pays qui dit tel comportement sont interdits, par exemple voler c'est interdit, viol c'est interdit, parce que c'est des malades qui mis société là, qui peut être préjudiciable à monde. Prendre l'argent blanchi à l'écob sous quel comme dans l'État à l'investir dans ces deux comme je l'ai dit, à l'investir de façon utile dans ces deux entreprises qu'on gagne, ou fait ou créer, c'est interdit, oui, mais lorsqu'il c'est interdit à eux, l'État, la loi, dit, lui poser un comportement, un comportement antisocial, mais le fin de quelqu'un, il dit, mais qui peine que vous avez subi. Donc, c'est ça qui doit pénal là. Doit pénal là, organiser, s'annuler, et lui régit, s'annuler, organisation, société. Claire, nous d'accord avec ça. Pas de problème, professeur Blaise. Maintenant, nous voulons rentrer droit au but, parce que il y a un sujet qui est actualité. Hein. Sujet à ne pas prêter son cadre comme si individuel. N'après un cadre général qui concerne tout le monde, parce que ça arrive souvent, mais puisque nous connaissons certaines fois, en Haïti en particulier, nous voyons politique là souvent primée sous toutes affaires de droit, sous bagage juridique, mais en nous-mêmes rétés techniques pour nous garder qui ça va aller. En imagine que, professeur Blaise, j'en me pose des questions. Hein, on action qui posait en Haïti, yo reproché en mon bagay, et yo arrêté mon en Haïti, et yo voyé l'États-Unis à le juger. Malheureusement, me dit malheureusement, parce que le tribunal juge en Haïti la Kaili, mais yon tribunal américain décidé pour condamner mon nan, pour ça yon reproché que mon nan fait aveu, c'est-à-dire les coupables. Dis-moi, est-ce que condamnation ça, li gen effet sous ni côté au juge là ni dans pays moun nan côté ou té arrêté là qui c'est Haïti. C'est un bel sujet et qui t'a demandé que pour bon dialogue scientifique là-dedans, mais malheureusement que nous on va y passer inaperçu. C'est même genre avec question de sanctions des Nations Unies, nous que il passe inaperçu dans ce pays, pas d'un débat sur lui, pas d'un débat scientifique sur lui. Mon sujet que nous devons recueillir dans l'université qui est très prestigieuse en Haïti, qui est pour mettre en place un travail sur la question du débat salarial. Et c'est le bagage qui est important parce que le bagage est engagé sur les citoyens et engagé les citoyens. En condamnation pénale à l'étranger PP, TT n'est pas limité au seul territoire, c'est-à-dire sur quel côté mon nom condamné. Ça mêle l'internationalisation des décisions pénales. Ou bien ça mêle l'utilisation des décisions pénales. Et l'utilisation des décisions pénales, nous n'avons pas qu'être. Le monde qui écrit sous livre, il y a doctrine, et n'a pas rappelé, par exemple, un dernier thèse qui est remarquable qui sorti sous livre en janvier 2021, par une camarade qui fait un gros travail sur ça, sur l'articulation des décisions pénales, c'est Vitarion Giannoulis qui fait un travail sous livre dans le centre de droit pénal et de criminologie, l'université d'Antwerp et de MTU, nous soutenons tes zones en même année. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a la salle au monde dans un pays étranger, ça vient et fait chanson d'identité dans l'autre pays. Pour qui ça? Pour qui ça, le domaine international établi et fait ça? C'est-à-dire que l'extension des décisions pénales au niveau international qui sont prononcées par à l'étranger. D'abord, c'est pour protéger les citoyens. Et c'est important. Là, on fait extension des décisions qui sont aussi, par exemple, au monde dans ce pays qui a quitté. Et extradé ou bien c'est bon remise qui a été fait à pays États-Unis, soit en Haïti par États-Unis, et puis États-Unis condamné Mounka, eh bien, pour qu'il y ait extension, pour qu'il y ait décision, ça, ils vont être fait en Haïti ou bien dans l'autre pays. D'abord, c'est pour protéger les citoyens, pour ne pas punir deux fois, ou bien pour ne pas punir, pour ne pas avoir sanction plusieurs fois, le même bagage-là qui a été commis en Haïti, ou bien qui a été commis en Haïti et aux États-Unis. Et ça, c'est un principe qui reconnaît sur le plan international. Ce n'est pas un bagage de crime, ce n'est pas monté, ce n'est pas oublié, ce n'est pas article qu'on a fait écrit, ce n'est pas essayer de signer comme si on l'école, on idée. Mais c'est un bagage qui est établi par des textes normatifs au niveau international.
ou pas gain droit pour suivre moun ni condamner plusieurs fois pour même bagage qu'il commet là. Et ça a consacré dans l'article 14.7 pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ça qu'on a depuis longtemps. Il consacre tout dans l'article 8.4 dans la convention relative convention américaine relative aux droits de l'homme dans les pays. C'est sans ça et c'est ça deux textes là ils ont traduit ça mené le sens de la centralisation des poursuites pénales. Pour qui ça? Pour ça contribuer à bonne administration de la justice en matière de droit international. Ça veut dire que pour harmoniser justice pénale là, États-Unis, Haïti, la France, Canada, donc ils ont centralisé poursuite pénale. Mécanisme ça, mon souci, qui c'est un principe qui est fondamental, qui est reconnu par le droit international. Deuxième raison que vous consacrez question de effet sur Palia, on parle d'effet pour question de citoyen. Nous parlons de l'effet tout sur question, deuxièmement, c'est pour sécurité territoire. Et dans la même question, avant même sur question du territoire, dans l'effet sur, ou même que vous posez des questions sur effet décision qui prononce à l'étranger, c'est le contexte là. Et puis, par exemple, on prend des mondes qui condamnaient, des mondes que l'ONU, Nations Unies, dit, moi j'ai une obligation de réserve parce que moi je fais partie des Nations Unies actuellement. Donc, l'organe des mondes que les Nations Unies prononcent des sanctions contre eux-mêmes, par exemple. Eh bien, je dis ou non, question de criminalité organisée en Haïti ou non, acte terroriste, peu importe. Et si vous êtes jugé en Haïti, tout le monde aux Nations Unies condamné, en fait, pas condamné, mais qui prend des sanctions contre eux dans le régime des sanctions, hein. Si vous jugez en Haïti, les États-Unis, même les Utah, arrêté eux, ou voyez aux États-Unis, écoutez, des gens qui sont jugés ou déclarés innocents en Haïti, en aucun cas, moi, sûr, à 300%, les États-Unis ne peuvent pas les juger encore. Son principe. Il y a dans deux tribunaux avec eux, il y a bon avocat qui dit, écoutez, client, maintenant, il était jugé en Haïti, déjà, il nous sommes bien condamnés, maintenant, nous ne pouvons pas les juger aux États-Unis encore. Deuxième raison, c'est pour question de sécurité territoire de pays, par exemple, en matière de terrorisme. Et c'est dans ce sens-là, on peut gagner un peu le monde qui fiché sur le plan international. Et qui va pas bon fichier dans Interpol, etc., qui est tellement bien cherché, ou bien qui est tellement qui condamné, qui déclaré comme monde qui est dangereux. C'est dans ce sens-là, on peut que l'on demande visa, on peut demander est-ce qu'on t'a participé dans un terrorisme déjà? Est-ce qu'on t'a condamné pour un terrorisme déjà? Donc, c'est deux raisons ça aussi, c'est que effet décision internationale qui prononce à l'étranger, l'idée est fait. Sous l'autre pays, ça n'est l'internationalisation des décisions pénales, ou ça n'est l'extension des décisions pénales. Mais c'est plus sous premier aspect, hein, sous question de sécurité citoyenne, qui fait actualité en Haïti actuellement, grosso modo, qui fait condamnation au monde à l'étranger, à exercer de trois façons. Et c'est ça qui est intéressant. Et faire condamnation au monde à l'étranger, à exercer de trois façons. Et c'est important. L'exercice de première façon dans le cadre s'en est en application de la loi pénale dans l'espace. Ça, ça veut dire l'application de la loi pénale dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'un accord entre deux pays pour ça. On n'a pas besoin d'un accord entre deux pays, par exemple, entre États-Unis et la paix et Haïti pour ça. Mais il faut payer côté crime, en fait, côté infraction, en fait, dans le sens de l'infraction, en fait, en Haïti. Il faut que les États-Unis, lui-même, les gagnent s'en est réciprocité, c'est-à-dire infraction sans les reconnaître, par exemple, si on a commis infraction de blanchiment en Haïti, faut infraction de blanchiment, ça, les reconnaître dans la législation américaine, dans tout ça, les réciprocité. Et faut infraction, on a commis maintenant, j'en suis dit, il existait dans tous les deux pays, c'est-à-dire qu'il y a effet de réciprocité. Et dans ce sens-là, si on a condamné dans un pays étranger, donc condamnation, ça, il automatique tout dans un pays citoyen, côté, mais t'es fait infraction. Ça, c'est la première façon que nous avons dit qu'il est fait. Ça veut dire qu'il est fait en décision internationale, qu'il y a une implication, qu'il y a automatiquement de vous connaître dans l'autre pays. Deuxième façon qu'il a manifesté, c'est annuler sous libre circulation des décisions pénales. Et c'est ça qui fait actualité en Haïti actuellement. Deuxième façon qu'il fait ça, c'est annuler sous libre circulation des décisions pénales. Dans ce sens-là, première façon, pas obligé de gagner un accord, pas obligé de gagner un accord international, pas obligé de gagner un accord multilatéral ou bilatéral. C'est question de l'application de la loi pénale dans l'espace. Si on qui commet une infraction en Haïti, par exemple, Livini et aux États-Unis, eh bien, Haïti, vous oubliez précisément bagaille, Haïti a demandé aux États-Unis pour poursuivre directement.
demandé pour le gouvernement, l'État c'est parti à Haïti, c'est le comité de gouvernement, qui a voué un acte d'accusation, par une législation aux États-Unis, par l'autorité de poursuivre aux États-Unis, qui peut écouter mon mandat pour poursuivre tel monde pour moi. L'État, il va le garder, est-ce qu'il y a une réciprocité sous infraction? Deuxième façon, c'est sur libre circulation des décisions pénales. L'État, comme un accord, effectivement, comme un accord bilatéral, ou bien un accord multilatéral qui existe, depuis un monde condamné, dans un pays qui signe à cause ça. Qui fait ça de dire? Décision ça, ils reconnaissent dans tout pays. Si on a un accord entre Haïti, bilatéral entre Haïti et États-Unis, sous telle infraction bien déterminée, blanchiment, corruption, si on n'est pas jugé en Haïti, automatiquement, j'en ai dit tout à l'heure, ils reconnaissent, décision ça, ils reconnaissent dans la législation, dans la justice américaine. Non. C'est même genre, si on a jugé États-Unis, là en Haïti, un accord bilatéral sous ça, eh bien, écoutez, infraction ça, ils reconnaissent en Haïti et niveau tout pour s'annuler accord multilatéral. Et c'est notre stratégie, une série d'infractions qui entrent dans l'articulation des décisions pénales. Donc, nous prenons, par exemple, cas de blanchiment, cas de corruption, qui est consacré à une convention, que nous appelons convention du Palerme des Nations Unies, qui est et adopté, conclu le 15 novembre 2000, sauf erreur de ma part, par un paquet de pays. Par un paquet de pays pour deux raisons. Pour deux raisons, tout ça a été conclu convention, ça. Accord, ça a soulevé accord, convention, charte, protocole. Donc, en droit international, on sorte de barrer une liberté formaliste et que on parle n'importe quoi, on parle une charte, on parle l'accord, on parle le protocole. Pour deux raisons, on a conclu accord ça. Je t'ai conclu à quoi ça, au sort d'une carrière, on dit c'est bien dommage. On t'a bien noté, on dit c'est bien dommage pour dire qu'au monde qui font une infraction en Haïti pour juger les États-Unis, on dit c'est bien dommage. Mais c'est dommage pour qui ça? Pour deux raisons, je t'ai conclu à quoi ça. Pour pays côté justice non faible, parce que parmi les Haïti, justice non, nous avons justice, c'est bien mal, nous avons justice qui est très faible. Et bien parce que pour côté justice sur faible, pour éviter impunité, contre le monde qui fait beaucoup de temps, il n'y a pas plein de juger. Et pour éviter, et surtout pour ça, aux citoyens ne pas juger, ils ont dit pour ne pas juger deux fois pour même balai là. Et Haïti fait partie de la Convention sur la TT à partir de 2011. On va retourner sur ça encore, à partir de 2011, Bukita, Haïti signé un accord.